Roulement de tambour. Paf. Ah. Oh la qu'est-elle. Allez. On est archi motivé. Pour finir ce jeu de mort. Capture de jeu. Donc, au programme, aujourd'hui, on tente de finir FF7, mais avant de tenter de finir FF7, on va aller farmer un petit peu. Ça fait chier, mais il faut. Et on va aller récupérer l'arme ultime de Nanaki et l'arme ultime de Claude. Ah bah il est niveau 57, Claude. Tranquille, du coup, on est à l'aise. Ah, 57, 57, 56. Putain, on est beaucoup plus mieux que ce que je croyais au final. Merci Fitz pour le host et merci Sidix pour le host. On est hyper bien. Ok, donc on va aller direction Nanaki direct. Et après, Scorm m'a dit qu'il y avait la bestiole volante là. Oh, ça va aller vite. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 60 du coup. Alors, chez Nanaki. On va faire dans l'ordre. On va aller chez Nanaki, après on va chercher la bestiole volante et... Agrafou. Qu'est-ce que c'est ça, Agrafou? Putain, je sais plus où c'est. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, t'as dit que c'était un truc qui vole. Enfin, ça vole techniquement, mais ça bouge pas vraiment, ça. Elle a l'air cassée. C'est ça? Elle a l'air cassée. Je peux me la faire niveau 57, tu penses? Parce que sinon, on récupère l'arme de Claude direct, hein. Il y a plusieurs points de passage. Bon, écoute, allez. On va try, on verra bien. Et puis tiens, puis tiens. Ah, faut le battre plusieurs fois. Oh, le bâtard. Ah, il m'a déjà mis mal. Lol. Ça va être rigolo. Ah, je sais pas. Je m'en fous, on finit le jeu ce soir, les gars. Cette semaine qui sentait la rage, là, finalement, elle va un petit peu mieux. Parce que je me dis que l'un dans l'autre, on finit FF7, on finit Batman, on est mais tranquille, quoi. Là, c'est... joie. Joie extrême. C'est ça le plus pénible. Faut le chercher sur la map un peu partout. On eut du bol, du coup. On l'a pas vraiment cherché. Potion X. Faut le niquer combien de fois pour avoir l'arme? 3? C'est à peu près ça, généralement 3 fois, je crois. Et il est de plus en plus fort ou... Mmh. 4-5 il me semble. Ah ouais quand même. Ah, le petit bâtard. Ah, je vais lui balancer la famille Babamut à chaque fois. Ça lui fera les pieds. Si on peut voir combien il a. Attends, impossible. Ah merde. Je peux pas le sentir de loin. C'est con. Cool.
Ouais, je suis obligée. D'accord. Non, je viens de comprendre. C'est vraiment de la merde, ça, par contre. Je peux pas lui faire le deux fois ou quoi. Je suis obligée de l'avoir à coup d'invocation ou de magie. Il est hors de portée. Ça, c'est chiant. Ça, en tête impossible. Ah oui, non, c'est parce qu'il essaye de faire. D'accord. C'est parce qu'il fait le contre-coup. Enfin, le. Je comprenais pas, il va dire, mais attends, j'invoque Ifrit, lui, il l'atteint pas, je comprends pas. Ah ouais, c'est sur Yuffie. Ah bah oui, du coup, vu que son arme elle se lance, ça devrait aller. Ah, quoique, je sais pas, parce que tout au début du jeu, quand on a fait le combat là. À Midgar. Sur les plateformes, et bah Jean Bobby là, avec son gros flingue, Barrette, il atteignait pas les cibles. Alors que normalement, il est censé l'atteindre quand même. En toute vraisemblance. Oh, putain, ils font vraiment pas de dégâts, hein. C'est ouf. Ça me fout tellement le seum pour eux. Ah, il se barre. Il se barre. Ok. Et 2-1. Ça donne de l'XP s'il se barre, ce petit bâtard ? Pas. Oh putain. Ma vie est nulle. Ok. Je crois que je l'avais eu. On ne quittait pas. À la base, j'étais en train de chercher. Il était où le Shinaneki ? C'est pas par là, du coup, c'est l'autre côté. Maybe. Peut-être qu'on va retomber sur Jean Bobby. Ça, c'est chez Yuffie. Ce sens de l'orientation, absolument magnifique. Ah, c'est là. C'est là, quelque part, par là. Il est là. Okay. On va se poser là. Oui, bonjour. On l'a jamais vu, lui, ici. Donc oui, je disais, donc farm du gros truc pas beau. Là, on va aller chercher l'arme de Nanaki. Après, on va farmer le truc moche, là, pour avoir l'arme de Claude. Après, on retourne dans le chou-marin pour aller chercher le batal qu'il y avait en dessous. On monte niveau 60, on sauvegarde et paf, fin du jeu. On les défonce. Voilà, le programme de la soirée. À moi, Dudu. Demain, du coup, on finit Batman. Et la fin de semaine, on commence Fable. Vu qu'apparemment, c'est celui-là pour lequel vous avez l'air d'avoir voté jusque-là. Et bah, vu que j'aurai de la place pour deux jeux, maybe on commencera aussi Shanless, là, parce qu'il a l'air cool. Nanaki, il y a un problème depuis que Bengarden est rentré de ce dernier voyage. Il n'a pas l'air bien. Pourquoi ne te dépêches-tu pas d'aller voir Grimbergen ? Grimbergen en silencium. Non. Ouais, on va partir sur des trucs. Ça va être le troll de la drôlerie fable. Ah ouais, carrément ? À ce point-là ? Encore un jeu que j'ai jamais fait, ça. Et il me fait bien envie, quand même. Et si j'ai bien compris, on peut le faire deux fois, ce jeu, parce que soit tu peux être gentil, soit tu peux être méchant, et du coup, c'est pas la même histoire. Je sais pas. La seule chose que je connais de ce jeu, c'est Jink qui avait créé Face de cul et qui essayait de pécho des gens.
Le grand-père! Mais il est malade pour de vrai. Grand-père! Oh, Nanaki, tu es encore là? Tu es encore là, liaison absolue. Je ne peux pas te laisser comme ça, grand-père. Il est du devoir du fils de Seto de protéger ce canyon et ses habitants. Merci, la frappe pour le host. Écoute, Nanaki, je pense que tu es peut-être déjà au courant. Si tu as une mission dans la vie, ce n'est pas de défendre cette vallée. Regarde l'herbe de la montagne qui dépérit. Écoute le gazouille des chocobos nouveau-nés. Regarde toujours vers l'éternel flux du temps qui dépasse infiniment l'étendue de la vie humaine. Tu apprendras plus de cette manière qu'en restant ici dans la vallée. Tout ce que tu verras fera finalement partie du rêve de ta vie, pour mes enfants et pour tes enfants. Alors Nanaki, je t'en prie, va avec Claude et sois le témoin du destin. Allez, allez, ne fais pas cette tête-là, je vais très bien, le monde est vaste, pars, explore-le, tu trouveras peut-être aussi la compagne de ta vie, on ne sait jamais. Grand-père, ah oui, prends ça avec toi, je pense que ça t'ira bien maintenant. Et bim. Ah merde, il est mort. Oh merde, Papy Boule, il est mort. Red 13, est-ce que Grimbergen... Grand-père m'a dit qu'il repartait de nouveau. Il part? Visiblement, il aimait vraiment cet aérostat. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire et il a filé. Il m'a donné un cadeau, regarde. Attends une minute. N'es-tu pas supposé offrir des cadeaux après ton retour? Grand-père est vraiment quelqu'un d'étrange. Attends, il va pas leur dire qu'il est mort? Nous le rencontrerons peut-être quelque part. Ouais, peut-être. Merci, Claude. Ok. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton perso. Plus de deux fois en fait. D'accord. Tu peux même faire un travesti. Le seul reproche, c'est qu'on n'a pas le choix du sexe. Ah, pour le perso. Bon, c'est pas grave ça. Alors, du coup, équiper Nanaki. Lune. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On peut lui mettre du tout encore. On a tout glace, tout terre, tout feu. Bah, est-ce qu'on lui mettrait pas du tout, 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 vous serez tout... Ah, quoi que, on va partir sur... Il y a une autre couverture. On va rester là-dessus, on va juste lui mettre tout feu, tout glace, tout foudre. C'est pas mal comme ça. Il est bien là. Il est bien, 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 bien. Ça vend pas ici, je crois pas. J'aurais bien racheté des tentes. Est-ce qu'elle vend pas ça, des tentes, Micheline? Ah non, c'est des armes, ça. C'est pas grave. De toute façon, on va retourner dans le battle. On va aller voir Jean-Bobby, là. Il va nous remettre d'équerre. Bon, bah du coup, on va aller à la recherche de Godzilla. On était garé où? Par là. Un bon magasin, c'est à Costa del Sol. Enfin, je sais plus où on était. Ah, bon, on va voir, je pense qu'on en a assez. Allez, fais voir combien t'attaques, Nanaki. Finalement, il est pas si long que ça, ce jeu, quand même. J'ai regardé, on doit être à peu près à 35 heures...
35 heures de jeu dessus. Il me semble. Dire par rapport aux autres FF qu'on a fait. Je pensais qu'il était beaucoup plus long que ça. Ouais, c'est ça, 31h quoi. Allez, c'est parti. On va faire le tour du monde pour chercher l'arme de Claude. Eglus. Le plus gros du jeu, c'est le CD1. Ouais, bah oui, du coup, c'est celui qui nous a pris le plus de temps, effectivement. Ah oui, non, mais bien sûr, mais je parle de l'histoire principale. Après, quand tu regardes de tous les FF qu'on a fait, il n'y en a aucun où on a fait les quêtes secondaires. Hein. Un petit peu dans World of Final Fantasy, mais je le compte pas réellement comme un vrai FF. Mais non, je parle de la trame principale, là, pour le coup. Piti, 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 piti. Il est où le piti? Bon après, je sais pas ce que vous allez choisir hein, comme prochain FF, mais si j'ai mon mot à dire, FF4 me botterait bien. Normalement, dans les vieux FF, il y a encore le système des classes, là. Ça, je kiffe vraiment. Bon, FF3, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Non, le 15, je l'ai pas acheté, il sera pas dans la liste. Je l'ai pas encore acheté. Non! Un petit FF4, 5 ou 6, là, un bon old school, ou au contraire un des derniers là, truc avec Light Knight, FF13. Bon, je quadrille, hein. Ah non, merde, j'ai confondu l'ombre. Il va être posé quelque part encore, là, Jean-Bobby, ou il vole vraiment comme un petit bâtard? La pêche est pas mal. Oh putain, on dirait une ours. Mais il y a une grotte ici. Et puis après tu parles de quête secondaire qui est à faire, mais c'est quoi? C'est tous les trucs du gold cluster. Des trucs chiants. Bon, il est où Jean-Bobby là? Allez, allez, on n'a pas le time mon gars. Et les Dissidia, tu les as pris? Il y a plein de persos FF dedans. Ah non, mais les Dissidia, c'est pas... C'est des trucs de combat, là. C'est nul, ça. C'est comme Smash Bros, sauf que c'est que des trucs de Final Fantasy. Puis il n'y a pas Dissidia sur PC, je crois. Et ce devoir... Il est devant le cratère. Ah, il est là. Ah non, c'est pas lui. Putain de merde. Devant le cratère. Le cratère où faut qu'on aille à la fin, là. Ah, il est là. Petit bâtard. Elle tourne, Jackie. Putain. Ah, allez. What?
Mais viens là. Allez, plein gaz. Mais putain. Mais il veut pas. Mais... Mais... Putain, y a pas la direction assistée là-dessus, c'est chiant. Ah, il va se poser quelque part. Oh putain de merde. Il est où? Oh ta mère, je l'ai perdu. Non. Ah non, je l'ai pas perdu. Oh, il est chiant par contre. Mais non mais sérieux, mais pose-toi. Il sait pas où il va. Le dernier Dissidia, c'est un RPG à la Kingdom. Sérieux? Oh c'est trop cool. Oh tu m'as hypé comme Jaja la Cidix. Mais c'est dispo sur PC? Ouais, ils m'en ont parlé hier des chevaliers de la table ronde, ouais. Mais le chocobo d'or, j'ai pas du tout. J'ai pas envie. Mais... Non mais sérieux, Jean Bobby, quoi, pose-toi. Non mais sérieux, vous avez vu où on est quoi? On est en plein milieu de l'océan. Putain mais pose-toi, t'es chiant, y'a rien ici. Ah, ah il a l'air décidé là. Vas-y. Moins tu as de PV, moins il fait de dégâts. D'accord, donc faut toujours qu'il soit full life. C'est chiant. Il fait quoi? Il va défoncer le Fort Gondor? Ah non, d'accord. Il m'attendait. Pardon. De toute façon, le boss de fin, je vais y aller à coup de Bamu, Néo Bamu et tout le tintouin. Et coucou Ghoster, comment vas-tu? Il va se prendre toute la famille Bamu dans la gueule, déjà. Eh mais Yuffie, elle a pris sa deuxième là. Merde, j'ai pas regardé, peut-être qu'elle est passée niveau 3. Comment vas-tu depuis le Teng? Putain, j'ai la moitié mal au crâne, j'ai trop dormi cet après-midi. Oh merde! Bah pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive?
il s'en va. Il a trop pris. Allez. Ah merde, la maladie. Il va recommencer encore. J'ai l'impression qu'il faut lui foncer dedans pour que le gars il se décide à aller quelque part là. Tiens. 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 À quand du Fortnite? Oula. Oh, je sais pas. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Je t'avoue que c'est clairement pas ma prio du moment de Fortnite. Non, il va pas retourner en pleine mer. Oh putain, quel petit bâtard. Reviens. Ah d'accord. Oh, bah vas-y. On va foncer dessus again and again. Hein. Va te poser, petit bâtard. Ah, il a l'air décidé. Ah putain. Je fais des Bregen. Hey, yellow. Buffet sanglant. Attaque tous les adversaires. Attaque continue contre tous. Tiens, je vais essayer ça. Ah, mais c'est ça que j'ai pas regardé. C'est si elle avait débloqué son... son truc niveau 3. Ça, il est toujours sur de la limite niveau 2. C'est chiant. Normalement, le dernier endroit où tu le battras, ce sera devant Shinanaki. Ok. Il vient de faire un 9999 ou... j'ai rêvé? Bah tu m'étonnes qu'il se barre. Nanaki vient lui mettre un 9999 dans la gueule. Imbelevable. Où es-tu, Manan? Ah merde, il est où le con? Je l'ai perdu. Ah. Ah non. Ah bah non. Pas le temps de Nanaki. Attends, je vais aller devant chez Nanaki, peut-être qu'il m'attend là-bas du coup. Oh, le petit bâtard, il s'est barré quoi. Comme un connard. C'était par là, chez Nanaki. Pas du tout. Putain. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Nanaki, c'est où chez toi? C'est là. Il est pas là. Personne ne me traite de mauviette. Il s'est barré. Il s'est barré cache-pistache là par contre. C'est chiant. Midgar? Non. Pas du tout. Non, non, on a fait le cratère. On a fait Fort Condor. Merde. Et ouais, Midgar, pas fait. Mais il est pas là. Il est pas là.
ce petit filupu, il est pas là. Et puis là, on l'a pas vu partir, quoi. C'est ça qui me fait chier. On va recadrer. Hein. Il doit gambader. On va lui casser ses petites pattes, tu vas voir. Il va pas gambader longtemps. Et du coup, elle est vraiment au petit, la dernière arme de Claude, parce que... Me dis, si moins il a de PV, moins il fait de dégâts, c'est chaud quand même. En vrai. Entre vous et moi. Après, s'il est full life, c'est cool, mais... Yuffie, elle va pas faire que heal, quoi. Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte... si à la fin, va vraiment falloir qu'elle fasse que ça, ou... Parce que bon, je me doute qu'à la fin on va défoncer Sephiroth, mais il y a probablement des trucs de Genova aussi qui vont traîner dans le coin. Je sais pas. Je me rends pas compte si genre la fin du jeu est dure ou pas. Parce que pour l'instant ça se passe plutôt crème, quoi. En vrai. Je crois pas qu'on soit mort, à part pour le père de Yuffie. Je crois pas qu'on soit mort sur des boss, en vrai. Ah si, tout au début aussi. Si, si. Parce que je trouvais pas comment on mettait les matérias sur les persos. Ça compte pas vraiment. Qu'est-ce qu'il aime, Ludo ? C'est chiant. Piti, 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 relou. Il doit plus être par là, du coup. Déjà venu ici. C'est ça, ça se trouve trop de dégâts, le truc est mort, quoi. Il est tombé. Oh, le con. Le truc qui est chiant, c'est qu'il peut vraiment être partout, partout, partout. Faut qu'il allait par là, là, tout à l'heure. Putain, pas fait de ses morts. Bah ouais, mais il est pas là-bas, quoi. Donc il doit se balader, il va falloir que je lui fonce dedans et il va probablement... Attends, j'ai flippé. Je fais, oh putain, il n'y a plus de carburant dans le bidule ou quoi. S'il gambade, comme tu dis, là, il va falloir que je lui rentre dedans pour qu'il aille se poser là-bas. Et si je le trouve pas, bah c'est chiant. Voyez-vous. Là. Au bout d'un moment, il finit par se poser tout seul. Très bien.
De toute façon, nous aussi, au bout d'un moment, on va passer devant Midgar et devant Shenanaki, donc... C'est quoi ces petites îles qu'il y a ici? Il y a quoi ici? Ça me fait penser aux petites îles toutes perdues, là, les îles à Pampa. Il n'y a pas de Pampa dans FF7. On n'en a pas vu des Pampas. Je pense à ça d'un coup, là. Il n'y a pas de Mog non plus. Il n'y a pas de Pampa, il n'y a pas de Mog, ouais, dans FF7. Quel est le fuck? Avec l'invocation du Pampa moustachu. World of Final Fantasy, c'était pas mal ça. Ah! Putain, petit bâtard. Je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Va te poser. Elle est partie de 1, 2, 3 soleil avec les cactus. De quoi zone bien spécifique, Sidix? De quoi pète-t-il? Hadès, il fait quand même quelques dégâts. Hein. Elle est pas mal cette invoque, je trouve. Sérieux? Ah, mais plus ça va. Plus ça va, quoi. Genre, le dernier, on se pose. On l'a direct, quoi. Ah, les Pampas. Ah, mais il y en a dans FF7? Really? Bon, là, on peut dire que c'était Midgar, ici. Bah, non. C'était le Mont Nibelheim. Fait chier. Là, il en reste encore deux, du coup. Chez Nanaki et Midgar. C'est extrêmement pénible, cette histoire. Désolée, c'est pas très passionnant hein, pour l'instant, mais bon, clairement, c'est pas ma faute. C'est le jeu qui fait faire ça, c'est pas ma faute à moi. Si la grosse bestiole vient pas, il faut la défoncer là, la bestiole là. Thank you.
Ah, il est là. Petit bâtard. Chez Nanaki. Ah, c'est peut-être bon alors, du coup. De toute façon, il va prendre Praline, sa maman, là. Oh, bah, nous aussi, on va prendre Praline, notre maman. Non, ça va. Il est mort. Pas encore ? Éclat d'ombre. Ah lol ! Ah bah d'accord. Bon. L'un dans l'autre, ok. Ah le petit bâtard ! Oui. Oui, oui. C'est un fa. Il est résurrection parce que tu es ridicule, Claude. Dernière arme. Bim. Qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Qu'est-ce qu'il a en... Putain, il m'en manque plein! Il m'en manque tellement des talents et demi! Mortel, sentir couverture. Super chance, contre-attaque des babamutes. Je vais enlever. Je vais les répartir autrement, les chimères là. Parce que. Ça va pas du tout. Phoenix avec tout. Ok. Qu'est-ce qu'il fait Phoenix? Au juste. Je vais leur mettre un Bahamut chacun. Voilà. On va lui mettre Hadès. Et après, franchement, je sais pas trop quoi prendre comme invoque. Quoi. Coucou femme, l'idée serait la matière bleue attaque finale. La matière bleue attaque finale, mais j'ai pas ça. Ça va et toi? J'ai pas. Attaque finale. Plus de la vocation de feu, il reste quand quelqu'un meurt. Le porteur. Ah! Effectivement, sympa. C'est intéressant ça. On va lui mettre sentir aussi, tiens. Ça lui fera les pieds. On va lui mettre aux dents. Il a vraiment pas de PV Red par contre.
pas. Où est-ce que j'avais acheté. Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce que j'achetais les matérias super HP? J'irais bien en acheter une pour Nanaki. Je sais plus. Ouais, une matéria HP. Je sais plus où je les ai achetés. Non, c'est pas chez Nanaki que je les ai achetés. C'était plus tard, hein. Super HP chez Nanaki? T'es sûr? Ah! Attendez. S'il y a un vendeur là-bas qui en vend, sinon chez Yuffie. Tu veux au boss de fin, équipe tous les autres persos. Tous les autres persos? Bah quoi? Bah pourquoi je peux pas lui apprendre? C'est pas celle-là sa limite? Ouais, ouais, la limite 3. Ah, peut-être qu'il fallait d'abord que je la mette en limite 3. Bah non. Elle veut pas apprendre sa limite. Ah, il faut la deuxième aussi, d'accord. Ok. Équipe tous les autres persos. Vraiment? C'est un délire à la FF8 ou pour battre le boss de fin, ça va être le random des persos? Parce que j'ai. Techniquement, j'ai pas grand chose à leur donner aux autres persos. En vrai. Je vois pas trop ce que je pourrais leur mettre. Ça me saoule déjà. Mais ça sert à rien, j'ai même pas d'autres matériaux qui guérit et tous ces trucs là. C'est mort, si j'ai pas mon équipe, je le battrai pas le boss de fin. Hein. Clairement. Acheter des matériaux de soins, ça devrait suffire. On va regarder après. On va faire le tour des villes. On va aller acheter tout ce qu'on peut. Donc tu m'as dit chez Nanaki, on peut avoir des matériaux. D'invocation W. Je sais pas ce que c'est l'invocation W. Je ne sais point de quoi vous parlez.
Ah ouais, non, par contre, non. Clairement, je fais pas les quêtes qui servent à rien au gold machin là. Non. C'est mort. Où est-ce que ça va être la boutique à matériel? Toi, tu vends des trucs, Micheline? D'accord. Oh, ça m'énerve là. Vous savez quoi? Ça m'énerve en fait. Rien que de savoir que c'est un système, elle a fait fuite. Je trouve ça tellement mais pourri. Mais genre pourri quoi. Derrière la boutique d'armes, il y a une salle où un mec vend de la matériel. On sait pas où. Hein. Il y a rien derrière la boutique d'armes en fait. Donc ce soit là. Non, ça c'est la cuisinière. Voilà. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il ne vend pas du tout de ville. Voilà. J'ai pris le comète du super HP à tout le monde. Par contre, ça va être où? Ça va être où pour acheter la guérison? Dans les autres villes? Ok. Oh, ça me fait chier! Mais vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait chier! Déjà dans FFU, ça m'avait fait péter un câble, ça me fait chier! Je trouve ça, c'est vraiment de la merde par contre. Bah du coup dans une autre ville, merde, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Dans une autre ville... Il n'y a pas de vendeur de matériel ici. Je ne crois pas. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu tout du moins. Peut-être ici du coup. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Pas des vendeurs d'autres choses. Barrière, je peux en prendre aussi.
corps mortel. On peut en prendre aussi. Pas là non plus. Courage, va au boss. Oh, pas de suite. Donc là, il n'y a pas de soins non plus. Ah, je vais faire les aventures de phase de cul dans pas longtemps, femme. Je vais les commencer cette semaine, normalement. Pousse-toi, Ruby. Non. Enfin bon, ce sera Jean-Bobby, pas phase de cul, très probablement, mais... Forcément, c'est le dernier. En fait, on peut en trouver partout. Des matériaux de soins, on peut en trouver partout, sauf qu'on n'en trouve nulle part, en fait. C'est ça l'idée. Partout, sauf dans l'intégralité des villages où je vais. Génial. Putain, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah d'accord. Très bien. Bah allez là, je cherche des matérias, minute papillon. Ils en vendent nulle part, c'est con. Avec la lumière, on dirait que je suis rousse. C'est parce que tu manques, Jink. Du coup, merde. Je me suis mis à la rousse attitude. Je veux savoir, la tentacule rouge... Mais non, mais apparemment, il y a des espèces de world boss dans le jeu. À Junon. C'est où ça, Junon? C'est l'autre côté, non? Tiens, Costa del Truc, là, t'arrêtes pas de me dire « C'est trop bien, Costa del Sol, il y a plein de boutiques, trop bien !» C'est où? Vendez-moi des trucs, putain! Ah! Allez, on va acheter quelques-unes. Au middle, là, au chaud, faisait le drogué. Ok. Visiblement, c'est pas ici que je vais en trouver non plus, hein? J'en ai marre! Personne y veut me vendre des matérias. Je veux pas aller à Midgar. Je l'ai pas. Là. Toi. Non.
C'est ça, je crois. Oui, c'est ça, c'est guérir. Ok, bon allez. C'est pas guérir ? J'ai pas acheté la bonne. Très bien, donc ce n'est pas ici non plus. Pourquoi vous voulez pas me vendre des matériaux? J'en ai marre. Ça fait plus d'une heure, hein. Le temps de farm est écoulé. Non, ça c'est la ferme Chocobo, on s'en bat les couilles. Sérieux, j'ai fait tous les villages là. Pourquoi y a personne qui me vend de la matériel restaurée? Là, je peux pas y aller, je sais pas où il est mon bidule. Bah non, on s'en a déjà fait. Au sud, il y avait l'hôpital. Quoi? Il n'y a plus rien, c'est un trou. Il n'y a plus rien, c'est un trou aussi. De quoi tu me parles? Il y avait l'hôpital de quoi? Ça commence à me... Cassez les bonbons! Oui, non, mais il n'existe plus l'hôpital Skorm. Il y a un trou. La ville, elle n'existe plus. What? Really? Ok. Ça n'a no fucking sens. Très bien. Très bien. Bon bah on est bien. Allez, on va essayer d'aller équiper tout le monde. On va mettre une invoque, des trucs aux gens. Et bah donc, voilà. Pour le cul. Je ne sais pas trop quoi. On va voir. Peut-être que j'ai des meilleures armes qui traînent pour eux quelque part. Parce que bah, pour la plupart, ils ont des trucs de merde. Très bien. Allez, séance mal aux oreilles avec les pouing, 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 pouing des matériaux. C'est parti. Alors, barrette. Hop, arrangé. Barrière. Poison. Guérir. Restaurer. Il a eu quoi, lui? Couverture et caoutchouc. Cette foudre. Terre. Glace. Et feu. Voilà. Équipé. Alors, on va lui donner ça, elle. Ok. Vitalité. Il y a un truc là, peut-être le poison. Alors, barrière.
poison. Guérir. Restaurer. Mortel. Ah, c'est vrai que j'avais pris un super HP aussi. Super HP. Alors, on va lui donner... Au pire, tu peux faire ça sur la map. Ça permet d'utiliser le PHS pour changer de perso. Plus vite, ça reviendra. Ah oui, pas con. On va lui donner Odin et on va manipuler. De quoi ou d'un coup mortel? Merde, je me suis trompée de touche. Coup mortel, ça se couple aussi? Parce que lui, son coup mortel, je l'ai mis tout seul. Hein. Si ça se couple, je lui mets avec Bahamut. Tout se couple, suffit de trouver la bonne combinaison. Bah, et Bahamut, coup mortel, ça match? Coucou des villes, comment va? Ah, les jeux ne se couplent pas. Ah, donc ça sert à rien au final. D'accord. Alors, matériel. Alors. On peut mettre destruction. Barrière. Guérir. Restaurer. Glace. Feu. On reste encore. Voilà. Absorption MP, coup mortel. Super HP. On va lui donner Chocobo. Shiva. Voilà. Talent d'ennemi, il n'y en a pas. Transformation. Feu, on lui a mis. Feu, voilà. Coucou Lady, ça va et toi? Je suis en train de me préparer pour la bataille finale. 92, 112. C'est pas beaucoup ça. Je dis ça, mais en vrai, équiper. Bon, quoique, si ça peut être complètement random, on va lui laisser. Arranger. Bon, bah, lui, ça va être rapide. Barrière. Guérir. Restaurer. Soudre. Ah, t'es crevé. Merde. Malheur. Le rebond de cible pour le mettre à Claude.
On va lui donner Léviathan. Équipé. Ouais, j'avoue. De toute façon, on est sûr qu'il va rester là, donc... Voilà. Il nous reste, du coup, Vincent. Materia, Anaki. On va lui mettre le super HP. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. On va peut-être lui en mettre deux quand même. Je sais pas, putain. Du coup, Vincent, il en a plus. Kilomètres de randonnée. Putain la vache. D'où Jésus. Et bon, on va prier pour pas tomber sur lui. Hop. 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 Voilà. Ou sinon c'était quoi? C'était chez Nanaki qu'on avait ça. Vas-y, on va aller quand même en chercher parce qu'avec la poisse que j'ai... Limite, je vais en prendre plus. Vu que je leur ai mis plein de trucs qui servent à rien, je vais les blinder en super HP, ils mourront moins vite. En toute logique. Si je retrouve le village de Nanaki que j'ai perdu pour la 500 000e fois. Merde. Ah là là, les préparations, les gars. Au secours. J'ai juste acheté une armée de boost HP. Je vais leur mettre 1 million de trucs d'HP à tous. Voilà. C'est mon projet! Allez, bah, MP et... Les deux. Les deux, mon capitaine. On va prendre les deux. HP et MP. De toute façon, j'ai de la thune, là, donc... autant la dépenser. Ah! Je me suis peut-être un peu enflammée. Peut-être un petit peu là. Déjà, je vais revendre des trucs dont j'ai pas besoin.
devrait bien. Ouais, j'aime bien cette zone. Elle est cool. Voilà, allez. Bon, cette fois, on met notre armée de super MP et super HP et super super. On reprend notre équipe. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je up tout le monde. Je peux pas juste upper mes trois débiles, là. En vrai. C'est de la merde. Du coup, coup mortel, je m'en sers pas. Je vais mettre encore un HP, sans tir, on n'en aura pas besoin non plus. C'est un scandale. Ouais, bon, écoute, on va essayer comme ça. Hein. Ça me casse les couilles. En vrai. En vrai, ça me saoule. Voilà. Donc, on va y aller comme ça, parce que ça me vient. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais récupérer tous mes PV, sauvegarder, tout ça, tout ça. Et c'est parti vers l'infini et au-delà. Parce qu'ils vont servir à rien les autres. Ils ont des armes de merde. J'ai même pas acheté les dernières armes. Les matériaux, ils ont des matériaux niveau 1. C'est nul. C'est complètement nul de faire ça. Ah, c'est déjà ce qui m'avait saoulé dans le dernier FF. Plus lent que le beurre d'un lobby.
Allez, amusons-nous. Ouais, mais ça n'a pas de sens. Enfin, clairement, ça n'a pas de sens de faire ça. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Ok, très bien. Je trouve déjà pas par où faut que je m'en aille. Apparemment, la seule solution, c'est de descendre en glissant. Bah, vas-y, glisse, mon gars, glisse. Franchement, heureusement qu'il y avait un cheat à faire pour FF8, on l'aurait pas fini. Hein. Je vous jure, on l'aurait pas fini. La FF7, il me fait le même plan, on finira pas le jeu. Hein. Ça va me saouler. Clairement, ça va me saouler. C'est nul de faire ça. Par te dégoûter des jeux, ça sert à rien, quoi. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est nul. Enfin, clairement, c'est nul. Si tu veux que ton jeu il ait une durée de vie plus conséquente, et bah tu fais du contenu pour de vrai quoi. Tu rajoutes pas des heures de farm pour rien. C'est nul. Ah d'accord. Bah très bien, ça avait marché sur celui d'avant. C'est nul. Ceci. Les statues, tu peux les fuir. D'accord. Je sais même pas comment on fait pour fuir un combat. J'ai jamais fait fuite. Ces japonais cherchent pas le farming, c'est dans leur culture. Oh, un gros dragon. Les deux gâchettes en même temps. Ok. Oh, le bâtard, il va m'ultima avant que je teste ultima moi. Ah d'accord. Ok. Qui c'est qui m'a dit ultima c'est nul, l'utilise pas? Parce que ça a l'air de plutôt bien marcher en vrai entre nous là comme ça. On va utiliser les petites merdes là. Hop. Les bons gros dracons. Allez, deux gâchettes. Deux gâchettes. Non. Non, bah je ne peux pas fuir. Magie. C'est ça du coup. Ça marche pas. Bien.
Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une matériel accroché. Mais comment on la chope, elle? Ah! Ok. Mais non, je veux pas grimper, je veux descendre. Non, mais laissez-moi! Ça va rien leur faire. Oh les bâtards. Ils sont chiants, ouais. Merde. Comète, ça lui avait rien fait non plus. J'ai le droit de me suicider? Bah non. Ce serait mieux que non quand même. Pourquoi tu veux te suicider? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, j'ai compris. Autant pour moi. C'est la dépression? Mais comment ça c'est la dépression? C'est nul la dépression, faut pas. Je te jure. Ma belle-fille de 19 ans est enceinte. Sauf que cette andouillette veut pas dire à son père, mon mari. Ah! Ah bah... Oui. Alors, pas la dépression et pas le suicide quand même, hein, mais... Oui, je comprends. C'est délicat. Ah d'accord, pour sauter là-haut. Pas intéressant. Et il a fini Rogue Legacy, Jean-Bobby? Là, en fait, surtout que nous venons du pays une deuxième année à la fac. Bah... Ouais. Après, faut en discuter avec elle, voir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le garder? Est-ce qu'elle veut pas le garder? Est-ce qu'elle se voit concilier ça avec ses études? Enfin, petite mère. Putain, ce qu'elle fait mal, Youyou! Ma Youyou d'amour! Cette cagole, là. Et du coup, c'est complètement random pour le combat de la fin, là. Franchement, je suis triste.
J'espère encore... quelque part au fond de mon cœur. Ah non, ok. Pas complètement random, on va te demander de former des équipes. Ouais. Ouais, mais du coup, on va me demander de former des équipes, mais après, sur quelle équipe ça va tomber? Ça, c'est random, non? Ok, je suis perdue. Oh non, c'est chiant. Je dois aller où? Là, je suis pas allée nulle part ailleurs, de toute façon. Alors, ça y est, ça va commencer. Je vais même me casser les couilles jusqu'à la fin. Oh, il est déjà 22h, quoi. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là-bas. Ah bah non, non, mais... Ah, je crois que ça y est, j'en ai ras-le-bol du jeu. Ils m'ont achevé là, avec la randomisation des persos de la fin. Ça me... Ça m'énerve. Oui, enfin, les tiennes sont plus légitimes que les miennes, là, pour le coup, les dix. Ça va, c'est qu'un jeu. Au pire, je l'éteins et puis c'est fini. Ah, est-ce qu'elle aurait... Je peux pas aller là. Putain, mais sérieux, quoi. Tu m'avais dit c'est mieux que tu mettes des matérias sur chaque perso et je pensais que c'était bah, pour les quelques phases où tu te retrouves avec bah, pas ta team de base quoi. Bah, je pensais pas qu'ils avaient commencé à craquer leur slip littéralement des FF7. Au final oui, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça sur FF8. C'est de la merde. C'est de la merde. Et comment je passe là? Ici je passe pas. Ici je peux sauter, ok. Mais alors pourquoi ça me fait faire ça? Vu que là je passe plus après. Je comprends pas, ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Parce que je pense qu'il faut monter pour accéder aux grottes qui y a là-haut. On peut pas le faire de l'intérieur et on a pas l'air de pouvoir le faire de l'extérieur. Là on peut pas passer. Oh mon dieu, un taralol. Comment vas-tu?
Oh, il était malade. Bah, ça va. Ça va, ça va. Je me démène. Je sais même pas si les autres persos sont niveau 40 ou quoi. Enfin... Je suis triste. On peut pas y aller dedans. Putain, tomberie. Ah non, bah là, j'aimerais bien me barrer, par contre. Vraiment. Il va me tuer. Oh, putain. Hello, Isolophobia, it's a French stream. I don't understand what do you do. I'm sorry. My English is very bullshit. Monsieur Tombery veut un hug. Moi je veux pas de hug de monsieur Tombery. Il dit de sauter sur le même rebord, mais dans l'autre direction. Sur le même rebord, mais dans l'autre direction. À l'extérieur? Putain, j'ai déjà plus de mana. Inside or outside, Isolophobia? Ici? Non. Bah oui, dedans ou dehors. Là c'est dehors, l'autre c'est dedans. In the next room, here. I don't understand. It's just other way. L'autre chemin. I don't understand. Bah, that's all. You should be able to go to there somewhere. Ok, bah alors là c'est beaucoup trop pour moi par contre. Ah, je passe? Non, pas du tout. Il te dit que tu peux passer quelque part par là. Ah! Coucou Seiya! Yes, but... where? Here it's not possible. 999. Oh, it's... Not another jump? I don't know.
the room before the bone run. Run all the way across the top floor. Ouais, la zone avant, la marron, ok. Qu'est-ce qu'elle a, la zone d'avant? Run, cours le chemin, tu cours en haut du mur, tout en haut. Et tu te jettes en bas. Sorry for my English, isolophobia. I understand just a little. Je cours jusqu'en haut. Ah, peut-être pas en haut ici du coup. Et tu te jettes en bas. Mais j'essayais. Il saute pas ce con. The room before this room. Il y a de la room encore avant? Ouais, ouais. Run all the way to the random go entrance. Ok, thank you very much. J'aime bien les gars, vous me balancez des GG alors que j'ai juste sauté. J'ai juste sauté sur une plateforme, putain. Very much, yes. It's my English good, ok. Thanks for your follow, Isolophobia. Welcome to the bad English world. Ah putain. Ok, donc c'est là où ça pue. Allez. Oh là là, mais la perspective de ce jeu, putain. Ok. C'est ma fatigue. C'est pas grave. Quoi, attends? La route se divise en deux. Nous nous séparons en deux groupes. Lequel tu choisis? Tu peux te créer un point de sauvegarde si tu veux ici. Ah, ok. Ça aurait été bien, ouais. T'as un item pour créer des points de sauvegarde? Ah ouais? Sinon, je vais à gauche ou à droite? Right or left? This is a question. Oh my gosh. Elle se dépêche trop comme d'hab. Gna gna gna. Bah, j'avance quoi, j'essaye d'avancer. Excusez-moi monsieur. On n'a pas toute la vie. Hein. Sinon, je fais plouf plouf, hein. Allez. Alors, Barrette va à droite. Ah,
Ah mais du coup je vais sauvegarder après avoir choisi. C'est de la merde. C'est de la merde. De toute façon je vais le prendre avec moi vu qu'il a rien au moins. Faites attention à vous, restez en vie. Ouais. Tout s'achève maintenant avec ça. Il court comme un ninja, Vincent. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré, vous tous. Mais c'est un mec, c'est pas une meuf. Eh bien, on dirait que c'est notre dernier gros boulot. Je le sens pas du tout. Ok. Revenons tous en vie, ok? Bye, Tsundere. La fin est proche. Donc j'ai un item pour créer un truc de sauvegarde. Attends, je crois que j'ai des sources déjà attribuées. Voilà, elle en veut pas. Voilà. Ah, c'est tout en haut, ok. Source de pouvoir. La bonne nuit, on s'était dit. Le bisou. Et du coup, on a dit que nous, on allait par là. FF7 en 3D, déception, dépression, décès. Ah, lol. Il est con. Allez! Encore une fourche sur la route. Et Claude, de quel côté on va? Ah, toujours plus bas. Très bien. Alors, tu vas en bas. Bah, tu vas en bas aussi. Mais on reste gros pire, non? Je comprends rien. Oh, un gros robot. Ah d'accord. Pas la garde de ses morts. Je commence à avoir le palpitant là. Je sens que je vais rager. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Il y a une matière qui vole.
Kezako. Oh, what? Il y en a aussi là-dedans? On peut pas aller par là? Ah si. Ah! Counter, ok. Bah ce serait bien sur lui du coup. Attaque par double. Contre-attaque par double commande magique invocation. Ah, donc limite ce serait mieux sur Nanakis. Ah ouais, mais du coup si je garde pas Nanaki. T'as vu la collection de matériel, j'en peux plus. Je sais pas. Encore une là. Non! Mais il est con! Il y a une materia. Pourquoi il veut pas aller la choper ce petit con? Ah! Arrête! Ah! Arrête! D'en haut, je me jette. Il n'y a pas de raison. Ce jeu me gave. J'en ai marre. Je vais essayer, je sais pas. You have to go all the way back to where you pick it. And you go to right. Oh là 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 là. Au pire, elle va rester là. Hein. Ouais, non, tu peux pas te jeter. Oh, shit. Voilà. Elle restera là. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Sauce rapidité. Paf. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Allez, c'est parti. Quoi? Attends, je sais pas... Par là, tout va bien. Ah, c'est parce qu'il y avait plusieurs chemins où on pouvait arriver, c'est ça? Hé, hey, tu voulais m'abandonner? Non. C'est le centre de la planète. Ok. Attends. Je suis pas prête.
Ah putain, je suis sûre que je vais mourir, je vais être obligée de tout me retaper, je vais pas être bien dans ma vie. It might let you all the way, don't know. Est-ce qu'il faut que je parle aux gens? Il semble que nous sommes allés aussi loin que nous pouvions. Non, non, on y va. Pardon, j'ai blagué. D'accord, les gars, on avance, mais doucement. Bon sang, encore. Arrête de faire ta poule mouillée. Tu ne pourrais pas dire « Tirons-nous » ou quelque chose dans ce genre. Tirons-nous. Gambattez. Oui. Oui, oui, il y a le... Ouais, ouais, j'ai compris la traille. Il y a le point de sauvegarde qui est pas loin. Ouais, enfin, ça fait quand même un petit bout à refaire. Hein. La ferme, idiot, ça ne va rien changer quand on voit tout le monde. Barret, t'as raison. T'y vas en premier avec deux d'entre nous, les autres te rejoindront plus tard. C'est l'entraînement avant le dernier vrai saut. Ouais, c'est ça, le vrai entraînement. Et ça suffit largement. C'est sans doute plus amusant que d'affronter ces firons en plus. C'est un bon passe-temps. J'ai un coup de chaud du coup. Ils arrivent, ils sont déjà à l'étage d'à côté. Claude, grouille-toi, prends une décision. Moi je reste avec ma dream team. Ils peuvent mourir les autres, je m'en bats les couilles. A plus tard. Allez, décédez bien, hein, bande de péons. J'ai fait quoi? Quoi? J'ai invoqué quelqu'un? Merde. Oui, oui, il a contre-attaque Claude. Merde. Bah, je comprends pas ce qu'il a fait. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Je... Bah, y a que Jean-Bobby qui a joué, là. Ah, il a contré l'attaque avec Bahamut, d'accord. Ah. Ok. C'est pas mal. Ça aurait pu être pire comme opposition, du coup. Oh. Un truc très vilain, ça. Que de corps.
ça pue ça. Non, ça va. Oh, allez. Ça va. Rinoa, ya. Try learn that skin fight and the chance you get. J'ai pas compris. Ah bah voilà. Ah bah. It's okay. Du coup. Oui, le lol, c'est le seul truc que j'avais compris. Merci, Latre. Prendre des petits éthers, là. Où sommes-nous? Quoi? Oh putain. Genova? Il arrive! Oh lol, la musique! Je m'en fous, j'envoie la famille... la famille... Good luck, ah, carrément. 5 U. Ouais, il est vraiment vilain. Invoquer, c'est ça qu'il a dit. C'est pas drôle, t'es en avance sur l'horaire. Comment ça, je suis en avance sur l'horaire? C'est le boss de fin, ça?
Lumière. Une lumière. C'est ses filles, probablement. Cette lumière, c'est le sacre. C'est là qu'on va voir si on a un peu de bol ou pas. Ah, mince. Barrette? Quoi? Alors nous voilà tous de nouveau ensemble? C'est Sephiro? Ah, c'est ça le véritable pouvoir de Sephiro. Mon corps, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mes pattes avant, mes pattes arrière, ma queue, elle va être arrachée. C'est pas bon, il est vraiment trop fort. Je ne sais pas si je peux continuer. Claude. Là, il est là. Et Claude. Le sacre est là. Le sacre brille, la prière d'Aïris brille. Le sacre, Aïris. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore la fin. Yes, it's okay for materia, but it's a bullshit. It's a very bullshit. Je vais prendre ceux-là parce qu'ils ont plus de PV, mais... Pourquoi il a pas... What? Non. Donc là, en fait, ma première équipe, elle a juste pas de matériel, quoi. C'est ça l'idée? Ok. Super. Ah si? Je comprends rien. Je sais pas ce qui est bien. J'espère que je les ai sur les autres persos parce que, enfin, clairement, je vais faire la gueule. Hein. Thank you.
sais même pas... Qu'est-ce que je vais lui faire avec du feu 1 hein. Liste là-dessus. Super HP, super MP. Mettre à nu. Mettre aux dents. J'ai plus d'invoque. Ah si. Vent, feu, glace. Guérir un, lol, ça va être génial. Je suis conne ou... Non, en fait, je veux juste vérifier qu'ils ont bien leur matériel parce que ça me rend ouf. Allez. Je suis sûre que je vais avoir la poisse. Je vais me taper l'équipe de merde. Yes! Pense à la séquence de 5 cibles et balais. Quoi? 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 J'ai chaud. Je suis sûr que j'ai les mains moites comme jamais quoi. Je peux permuter les équipes? Ah bon? Ah bon? Comment je fais pour les permuter? Ça te sera proposé. D'accord. Très bien. Ok. On va essayer de lui mettre Pinette pendant qu'on peut, du coup. Les autres...
Faut y aller du coup ? Ah, c'est obligatoire ? Si une partie meurt, change de groupe. Va tenter. Ah d'accord. Ah ouais merde, j'aurais peut-être mieux fait d'équilibrer du coup. Ça fait chier. Là j'ai tous les gros dégâts du même côté. Ah putain, c'est vrai que c'est lui. Ah d'accord. Il a cassé un truc mais je sais pas quoi. Donc je fais quoi? Faut que je repasse encore de l'autre côté là? Je comprends rien. Parce que là de l'autre côté il y a le bras qui est tombé aussi. Il y a plus de trucs de tomber de l'autre côté que d'ici, non? Je capte pas. Je pige rien en combat là. Là faut tuer la partie jaune, non. C'est la team de Barrette qui doit s'en charger, je pense. Ok, on va mettre pas vraiment, on va continuer à lui envoyer des trucs. Je sais pas, je comprends pas. Le troll quoi. Ah je l'ai envoyé sur la partie du milieu comme une connasse en plus. Lol. D'accord. Ah si en magie par contre. Ah il a rien lui. Pourquoi il... Réanimer ? Comment ça ?
Bah oui, ils ont toujours le bras, eux, ce con là. Je comprends rien. Mais comment ça, la tête, elle s'est réanimée? Je comprends pas. Je viens de la buter, la tête. Enfin... Il y a un moment, faut arrêter, monsieur. J'aurais pas dû changer, du coup. Là, normalement, ses bras, c'est mort. Il y a plus de bras. Plus de rats, plus de chocolat. Bah si, encore la tête. Putain, ça me casse les couilles, cette histoire. Tête milieu jaune. Ok, donc dès que j'ai tué la tête d'un côté, il faut que j'aille dans l'autre groupe pour buter la tête aussi. Après, il va me demander si je veux passer de l'autre côté. Donc je passe de l'autre côté et je lui coupe la tête. Enfin, la première tête. Enfin, le truc qu'il y a sur sa tête. Ok. Donc là, il y a encore la tête. C'est ça. Lui, élément. Potion X. La tête. Ok, donc là la tête est morte aussi. Donc là, eux, le torse est mort aussi. Le torse est mort aussi. Donc il va me proposer de passer de l'autre côté. Et là, faut que je pète le torse de l'autre côté. Oui. J'ai mal au crâne. Mais pourquoi il y a la tête? Je l'ai buté, la tête. Casse les couilles. Mais non, mais je comprends pas. Je l'ai buté, la tête, avant de passer de l'autre côté pour le faire, la tête. Je capte pas. Voilà. Ça va. Il va se healer. Petite pute. Donc la tête meurt. Donc là, je vais rester là, vu que de l'autre côté, il y a la tête et le torse qui sont morts. Du coup, bah, je vais rester là jusqu'au bout, puis je passerai de l'autre côté qu'à la fin. En fait.
Non mais ça va, je peux jouer peut-être, espèce de cagole là, il est en train de se remonter toute sa vie. Petit bâtard. Prends-toi ça dans la gueule là. La lourdeur du mob, quoi. Normalement, ça devrait lui faire mal à la tête et au torse. Et peut-être au truc en dessous. Au truc en dessous, il s'en fout. Ok. Ok. Et il va me demander si je veux changer. Donc non, parce que de l'autre côté, il y a tout qui est mort, sauf le truc jaune. C'est quoi ça? Chien max aussi quoi. Pourquoi il se dédouble le bazar là? Non mais le gars, à chaque tour, il se met plus de... il se met plus de huile que ce que je lui fais de dégâts, quoi. Enfin, juste, il y a un moment... Ah, c'est lourd, là. Allez, bah oui, forcément. Faire un petit heal aussi. Je comprends pas comment il est censé mourir, hein. Vraiment là je comprends pas. La tête va redécéder. Voilà. Elle va me proposer de passer de l'autre côté. Je vais dire non, parce que de l'autre côté, il y a tout qui est tombé. Mais pas ici. Donc non, pas vraiment. Thank you.
faire, donc on va juste attaquer parce que ça me saoule. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que je vais lui faire plus de dégâts en faisant des attaques simples. Il en a pris un anaki, hein, c'est pas possible. Ah. Il y a un truc qui est mort. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas compris. Mais du coup j'ai plus rien, j'ai plus d'invoque, j'ai plus rien, c'est un plaisir. J'ai menti, j'ai encore ça. Surveille tes PV régulièrement, d'accord. Je suppose qu'il doit mettre des pralines intersidérales, lui. Je vais mettre de l'éther pour tout le monde. Enfin, au moins pour les filles qu'elles puissent heal régul. Là, je vais mettre un coup de heal, une barrière et... Il va invoquer Rinoa. Et non! Pas ça! Oh! C'est la musique de Seifi. Ça, c'est cool. Putain, faut attendre la fin du jeu pour l'avoir. Je vais essayer de lui balancer tout ce que j'ai, hein. Antibar, je sais pas. Ok, il fait un truc chelou. Bah, Hades, je crois qu'il ignore Def. Je suis pas sûre, je sais plus. Attendez, je suis pas... Je suis pas là. Il doit avoir un milliard de millions de PV en plus, ce petit bâtard. Salut, monsieur propre.
Qu'est-ce qu'il me reste? Neoba. Régène et reflet. Sur lui? Tu veux que je lance Régène sur lui? C'est un mort-vivant? Ah non, que je lance Régène sur moi et que je mette reflet pour envoyer ses attaques? J'ai pas compris. Désolé, j'ai le neurone qui est quelque part, mais pas là. Il faut que... Il me faut du mana. Il me faut du mana et il me faut de la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Atteinte impossible. Très bien. Magie. Oh bah putain, j'aurais utilisé ça là. Il va où? J'en ai utilisé deux, ça sert à rien, mais je m'en bats les couilles, hein, clairement. Ah mais les mini aussi. C'est pas grave. Ouais.
J'ai plus de barrière, je crois. Oh si, merde, il m'a resté. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est cool. J'ai tellement les mains moites, les gars. C'est un truc de ouf. Ah merde! Pas assez. Fait chier. Son truc va passer avant. Fait chier. J'ai pas vu sa barre de vie. Je pensais que la régène avait fait plus de trucs que ça. One more to go. Another boss? No. This is the end, not. Please. I need respirated. I need a tea. I need a pipi. I need to finish this game. Omnislash. Et non, c'est pas fini, sérieux? C'est tout ce qu'on pouvait faire? Attends, et le sacre dans tout ça, la planète, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, j'en sais rien, le reste, c'est à la planète de s'en occuper, non? Tu as raison. On a fait tout ce qu'on a pu. D'accord, les gars. Ça ne sert à rien d'y penser. Laissons là tous nos soucis. On va rentrer chez nous, la tête haute. Il va fusionner avec Ultimecia. Ah non, c'est bon. Ça va, là. Il te reste Sephiroth à battre? Bah, Genova, c'est le premier qu'on a fait. Et Sephiroth, c'est lui qu'on vient de défoncer, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression... Avec Finn du 10... Non mais arrêtez les gars, j'en peux plus là. Je suis en train de trembler comme jamais, j'en ai marre. Là je suis en train de penser au point de sauvegarde qui est à Babalouette-les-Bains, j'en peux plus. Il est encore ici. Mais non, il est mort. Encore? Et Claude? Il rigole. Comment ça il rigole? Et Claude?
Ok, donc Claude se tape un trip dans un colon. Très bien. Oh putain, non mais vous faites chier les mecs. Sérieux? Non mais un point de sauvegarde, merde! Oh là là, on en compte un, quoi. Il va me faire les fesses. Oh non! C'est boops, quoi. Oh merde, le vaisseau il s'est scratché.
C'est Marjolaine? Et faites la cinématique de fin, ouais.
Pardon, hein, comme d'hab, moi les cinématiques, je me tais pendant les cinématiques. Bah franchement, merci à tous, hein, pour le coup de main. Ah, ce fut rude, mais nous avons vaincu. Ouais, au final, c'était pas si dur. Enfin, le niveau de difficulté est mieux dosé, je trouve, bah, que dans le guide déjà. Parce qu'à la fin, tu te fais juste mais défoncer la gueule par le boss de fin, c'est une infamie. C'est quand même mieux dosé. Tu te faisais toute une montagne de la fin. Bah non, mais parce que quand tu guettes par rapport au FF qu'on a fait jusque-là, FF3, t'arrives dans la dernière tour, là, le château de cristal, ça se passe bien. T'arrives dans la salle du dernier boss, tous les mobs te défoncent leur race. Dans FF8, tout le jeu se passe bien, t'arrives sur le boss de fin, il te défonce ta race. C'est abusé, là ça va. Au final, puis même le délire avec les deux équipes, vu que tu peux switch de l'une à l'autre, ça va. Je pensais que ce serait vraiment un délire comme FF8, là j'aurais pété un câble. Ouais, au final on n'a pas farmé le sous-marin. Ben, on était niveau 60, hein, Scorm, quand on est arrivé sur le boss. Parce qu'avec les quelques mobs qu'on a chopés, on est passé niveau 60 sur la team de base. Après, sur les autres, ouais, on était 53, 52, 53, je crois. Ah bah, ben Dieu! Quelle aventure! Je laisse passer le générique, des fois, il y a un petit truc à la fin. Bon, on a encore vu la vendeuse de fleurs, il a fallu qu'elle vienne nous faire voir sa tronche de cake encore à la fin, là. Ouais, la tra. Exactement. Puis je sais pas. Laisse-moi tranquille. Oui, du coup. J'irai voir sur internet l'animation de celle-là. Du coup, je crois que c'est la seule qui nous manquait. Thank you for your help, Isolophobia. La vendeuse de fleurs, comme tu dis, elle a fusionné avec la rivière de la vie. Ouais, ouais, ok. C'est quand même qu'une putain de vendeuse de fleurs, quoi. Elle est useless. J'aime pas Eris. Ah, il peut me dire, l'ermite barbu, là, que oui, Yuna, elle est inutile. Non, je suis désolée, Yuna, elle invoque, quoi. Elle est badass. Alexandre. Ah non, s'il y a une... Elle a surtout fusionné avec un katana, ouais, et ça on l'a tous vu. C'est pas soumis à interprétation. Putain, qu'est-ce qu'il est moche le générique de fin, ça pue le paint quoi. C'est un truc de fou. Comment tu peux faire un jeu aussi stylé, enfin aussi stylé graphiquement pour l'époque et faire un générique comme ça? Je comprends pas. Ah, les cinématiques, je les trouve toujours aussi ouf. Square Enix et Blizzard, même si ça me fait chier de dire ça, mais il faut dire ce qui est. C'est vraiment... pour les cinématiques, c'est des dieux, quoi. C'est vraiment des dieux. Oui, c'est sûr, après, plus de pognon. Hein, c'est une certitude, il y a de ça. Mais je veux dire, il y a des éditeurs, ils ont pas mal de pognon aussi, et bon... Ils te servent des trucs... Ça va, quoi, mais c'est pas non plus ouf. En tout cas, une bonne chose de faite. Bon, du coup, ce sera quoi le prochain Final Fantasy? À quelle sauce je vais être bouffée la prochaine fois? Je pense que je vais pas proposer FF10 tout de suite. Parce que vu que je le connais aussi, FF7, j'en avais fait une partie. FF10, je le connais quand même bien. Non, du coup, je vais pas le proposer maintenant. Bah non, je sais pas, Latra. Je vais proposer ce que j'ai, sauf le 10, je pense. Le 16. Non, non, c'est pas moi qui choisis le prochain FF. Ce que je vais choisir, c'est le deuxième jeu en complément, là. On va faire Fable. Non, j'ai pas dit c'est moi qui choisis. Là, on va entamer Fable. Du coup, pas demain, mais dans la semaine. Si on finit Batman rapidement cette semaine, bon, je pense qu'on va essayer de le finir demain. Je vais essayer de tenir pour qu'on le finisse demain. Et
Mais t'avais, tu ferais plus de choix au voyeur. Quoi? Et après, en complément, on se fera... Ouais. Fable et... quand on aura fini Batman, je pense qu'on fera Shaunless. Il est pas très long et il a l'air cool. Aussi un petit RPG. Ça peut être sympa. Voilà. Bah Fable, je sais pas quand on va le commencer. C'est comme... Pas demain, c'est sûr. On va essayer de finir Batman. Je sais même pas si je vais tenir 4 heures dessus. Je pense pas. On va le faire en deux fois, je pense. Ou je sais pas. J'ai un nouveau truc, là. Nourcy m'a offert truc de Portia, un jeu de gestion. Donc, t'avais dit que tu finis demain, Batou. Ouais, je sais. Je pense qu'il me reste encore deux lives. Si je fais 2-3 heures, je verrai. Mais je vais pas m'acharner, là, parce que clairement, si je me perds encore partout, je vais péter un câble. Je préfère faire une pause et le finir plus tard. Il me reste quand même pas mal, là. Je pense qu'il me reste au moins 4 heures de jeu dessus. Mais il va effectivement plus vite que ce que je pensais. C'est Batman Arkham Asylum. Ouais, les Lego Harry Potter, on les fera aussi, Sidix, mais pas tout de suite. Ah, alors, est-ce qu'on a encore quelque chose ou pas? Ah! Ah ben oui, je la connais celle-là, avec les Nanaki. Ils sont tellement mignons. C'est Midgar. Oh d'accord, ah le jeu se ferme comme ça, t'as fini le jeu? Ok, le truc se ferme, c'est bon, on a fini, on remballe les gants, on n'a plus le temps. Allez, ça dégage. Ah mon dieu. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Final Fantasy, ça me fait très plaisir. Et du coup, donc, comme je vous disais, le prochain Final Fantasy sera pas tout de suite, parce que pour ceux qui savent, bon bah voilà, mais pour ceux qui ne savent pas, je commence un taf là le 9 juillet où les horaires de live vont être complètement chamboulés vu que je vais travailler de nuit, donc de 16h à 1h à peu près. Donc je vais probablement changer les horaires, j'ai pas le choix de toute façon, liver soit un petit peu dans l'après-midi ou en tout cas après 1h du matin. Donc je commencerai un nouveau FF quand je serai rodée au niveau des horaires. Voilà, donc à voir aussi en fonction de sur quel live il y a le plus de monde, parce que je me rends pas compte, j'ai jamais fait de live à des horaires comme ça. Donc on verra, mais de toute façon c'est vous qui aurez le choix. Il dit merci pour ton temps, il te remercie d'avoir joué à ce jeu et de l'avoir fait retourner en enfance. You're welcome Isolo. Thank you for your presence and your help and good night.
Et donc, voilà. Donc, bah, en attendant le nouveau taf, on va se faire d'autres petits jeux très sympas que j'ai encore en réserve, que j'ai plein de jeux en réserve. Et on va voir avec la nouvelle organisation comment ça se passe. Voilou. Voilou. Sur ce, je fais une petite pause. Pipi and thé et tout ça, et on revient pour faire je sais pas quoi. Peut-être continuer un peu les aventures de Gertrude, ou sinon je commencerai bien My Tam, My Portia, je sais pas. On voit ça dans 2 minutes, faut que j'aille faire pipi de toute façon, donc ça attendra. Voilou. Donc bah, gros bisous pour ceux qui seront plus là. Et à tout de suite pour ceux qui patientent 5 minutes, je lance la petite pause, je reviens. À tout de suite. Oui, c'est un écran game over, hein. Je fais l'écran de fin parce que j'avais pas préparé celui de pause, mais je reviens. Voilà, trop de préparation sur ce live professionnel, je reviens.